Bienvenue pour un autre épisode de Stellar Blade, on continue l'aventure. On est toujours dans le souterrain. On va faire un petit scan avant de partir, pour voir si on n'a rien oublié. Là-bas, on a des balles. Ok, je crois que c'est bon. Alors, j'ai cru voir des planches. Ok, j'avais déjà fouillé par ici. Elle fait mal sa petite attaque. Bien, on a une porte de sortie. Alors en haut, y a rien. J'ai pas l'impression. Ok, il y a mon pote. Pas de risque. C'est ouvert. Je pensais pas que ça allait être ouvert. Bon, je suis sûr qu'il y a un truc. Ah. C'est verrouillé aussi. Le niveau de piratage du drone est trop bas pour la porte. On peut encore l'augmenter? Ça, c'est bon à savoir. Humain, humain. Ok, ici, y a rien. Petite lumière. Il y a une caisse là-bas, au fond. Je suis en train de réfléchir si je pouvais améliorer mon drone, mais je pense pas. Pas en s'arrangeant. Ça veut dire qu'on s'approche de la source. C'est inquiétant.
vois qu'il est pas content. Intéressant. Et monte. Petite Ève. En souplesse. Ok, ça je prends. Encore un noyau bêta et c'est bon. Testament de Catherine. Les hurlements ont cessé, tout le monde est mort. L'équipage inférieur a été décimé. Rest in peace, Catherine. On va quand même vérifier avec un petit coup de scan. Il n'y a rien. Petite glissade, sympa. Ça sent les monstres. Par ici. Je dirais que l'ancien générateur fonctionne encore. Ah, c'est comme ça que fonctionne le monde charge. Je n'aime pas trop ça. Pourquoi ? Tu n'as jamais vu de film ? C'est un scénario classique. Résignation de Sam. Nous avons été abandonnés, nous allons tous disparaître, tout est perdu, ça ne sert à rien de lutter. Voilà la réalité en face, le seul moyen d'échapper à la peur et au désespoir, c'est la mort. T'as pas tort. Alors comment on pourrait accéder à cette caisse? J'ai pas trop envie de m'approcher. Ok, ça va ici. Et comment on y accède à cette merde? DG. Bon, ça sent la grosse baston ici. Ah, il y a un mec. Ah,
Bien sûr. Ok, il met de la merde. Super efficace. Réessayons d'utiliser le mont de charge. Ça, ça fait plaisir. Je me suis un peu entraîné au contre pour utiliser la nouvelle capacité avec les contres. On verra ce que ça donne. Ouais, il me faut plein de balles. C'est un peu trop calme. Console de réparation. Ok, nano combinaison. Force quotidienne. Et d'où ça sort ça? Mascotte quotidienne. Ouais. Ok, bref, exospine. Ouais, je peux pas l'améliorer encore le drone. Ok, ça c'est bon. Ok, paramètres des compétences. Un petit défi de mode vite fait. Ah, même sa culotte, les couleurs jean. Ok, elle est pas mal, ça fait... Je sais pas ce que ça fait, mais c'est pas mal. Donc, tenue, mascotte quotidienne. Eh, pas mal non plus. Mais on dirait, elle a grossi. Elle a grossi du boule. Ok, on va mettre... On va mettre celle-là pour l'instant.
va se reposer. Bon, ce bruit qu'on a entendu sur le réseau de l'escadron aéroporté. Oui. J'ai analysé le signal et le bruit peut se traduire par tuez-moi. On en saura davantage quand on aura atteint la source de la contamination. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je sais. Mec chelou. Merde. Ok, on prend pas de risque. Le fléau. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Yo mec, comment on esquive ? T'en mis un peu quand même. Bah, vaut mieux courir. Ouais, elle a de la patate, Eve. C'est moins une. Cet adversaire était coriace. Eve, ça va ? Oui, on continue.
Ok, voyons voir ce qu'on a par ici. Je crois que je vais faire... Tiens, on a une petite caisse par ici. Ok. Alors... En haut, on a quoi? Il y a plusieurs caisses en tout cas. Newfoundland Dry. Alors, comment on accède à ça? Je crois que j'ai tout récupéré. Nickel. Des rails de monte-charge sans monte-charge. Quoi? Oh, rien. C'est juste un très mauvais présage. Polymère extrême. Ah. Bon. Bon sang, c'est inondé. Oh. Encore. Alors on a quoi dans l'eau? Absolument rien. Ah. Par contre, il y a un strobo. Analysons ça. Il y a trois portes. Et un paquet d'autres choses. Ok, on doit trouver une sortie. Ok, on va passer par ici d'abord. Putain, pourtant je l'ai fait. Yeah.
Putain, j'aimerais bien faire ce petit coup là. Ah mais j'ai pas assez d'énergie ça. Tant pis. Ah. Sympa. Module d'expansion de l'injecteur. Cache-routine. Faut que je bute l'autre. Toi, c'est fait. Exit. Polymère extrême. Ah. Elle veut pas sauter sur le truc. On peut passer par ici. Merci. Allez, on va tester ici. Je suis sûr que cette porte ne marche pas. Ah si, ça marche. Oui, la porte cassée pour le moment. Ça marche pas. Pourquoi tu n'aimes pas nager? Je ne sais pas trop. Je pense que ça me rappelle trop ma naissance. Les eaux sur Terre sont souvent contaminées, non? Après, ce n'est pas idéal pour nous. Rien que de penser que je vais devoir nettoyer ce drone. Alors pourquoi il y a des marques jaunes ici? Ça, c'est la question. Ah.
Ok, il y a encore un autre bolos. Ok, cette fois-ci, ça s'est fermé. Mot de passe, matrice 11, cimetière ferroviaire, porte 4. C'est bon, on peut y aller. Déjà ? On devrait regarder un peu plus. Juste un peu. Mais... quel est l'intérêt ? Pour ce genre de boulot, le minimum, c'est de fouiller tous les recoins. C'est ça. Noyau corporel. Ok, apparemment on a un petit truc, un petit trou là-bas. Module d'amélioration du drone, ça c'est cool. Canette. Halle de corsaire. Cette fois-ci j'ai tout. Il manque juste un coffre, le coffre. Ah, ça doit être pour ici, je pense. On va voir. Peut-être que l'eau, elle va se vider. Ah, c'était pour ça, en fait. Ok, donc l'eau elle se vide pas. Il y a peut-être moyen de passer en dessous en fait. Non, pas par ici.
Ok, il y a le coffre. Et apparemment, on peut ouvrir cette... Polymère avancé. Ok. Tu peux le faire, Eve. Ok, je suis passé par où, moi? Par ici. Bon, je crois que j'ai tout fouillé. De temps. Une perte de temps? Enfin, c'était pas entièrement inutile. J'en ai rien à faire. Je veux juste prendre un bain. Souvenir du légionnaire 516, ils ont donné des armes aux enfants, un enfant terrifié a éclaté en sanglots, le pauvre a été emporté et n'est jamais revenu. Nous ne cherchons pas un moyen de combattre les monstres, nous devenons des monstres. Ah, ça j'aime pas trop ça. Oh putain. Pas trop fan de ces dégâts là. J'avais dit. Ça me fait penser à Tomb Raider. J'ai l'impression qu'ils ont emprunté quand même pas mal de trucs à plein de jeux. Mais ça marche plutôt pas mal quand même. Sauf ça, je suis pas trop fan, mais... Tu vas bien? Pour l'instant. Hé, là-haut! Saute! Tu as raison de prendre cette jupe. Eh bien, il faut aimer les défis. Alors, comment on peut te buter, toi? Ah, je sens que ça va être la misère. Ah, peut-être pas. Ouais, c'est ici. Cet endroit, l'air y est. Je trouve aussi. Ça marche. Ah, j'ai raté. Thank you.
J'étais un peu obligé. Toujours regarder là-haut. Ah, encore ce truc relou. On va te buter. Pierre du Légionnaire 511, la mort approche, il n'y a plus personne. Je me sens comme un enfant abandonné, loin de la matriarche. Sa grâce n'atteint-elle donc pas ses profondeurs, matriarche? Oh, bon, pas passé loin. On fait une pause? Il n'y avait pas un autre mec? Ok, bon bah, on va faire une petite pause. On est vraiment proche du signal Alpha. On dirait que le Nightiba Alpha est juste en haut des escaliers. Eve, regarde ça. Un héritage. Du 2e escadron aéroporté. Il faut qu'on le regarde. Peut-être qu'on va enfin résoudre le mystère de ce dernier héritage. Attends un peu. Le lancer ici risquerait d'attirer les autres Nightiba. Ne t'inquiète pas, on pourra consulter l'héritage après avoir récupéré le noyau Alpha. Pour l'instant, concentrons-nous sur le combat contre le Nightiba Alpha. Je vais te garder. On y va. Bon alors, console de réparation, amélioration de l'injecteur, nombre de charges de l'injecteur rechargeable augmenté, 5 à 6, nickel, on peut encore. Drone. Ok, on a presque tout amélioré, il reste juste le détecteur de canette. Malheureusement, pas de nouvelle tenue. J'entends un corps. Ah, il est là-haut. Ok, ce sera pour la prochaine fois. On va s'acheter des plein de munitions. Ok, nickel. Donc la suite au prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine.